Bonjour à tous, c'est Zerato31, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture Pokémon et on va s'ouvrir un coffret dresseur d'élite Pokémon Go. Donc voilà comment il se présente. On a Mewtwo sur un fond bleu, je trouve très joli. Donc là, logo de l'extension Pokémon Go. Ensuite, derrière, on a, pour ceux qui veulent lire ce qui est écrit, on a tout le contenu. Donc on a 10 boosters Pokémon Go, une carte promo brillante, 65 protège-cartes, 45 énergie, un guide de jeu, 6 démarqueurs de dégâts, un dé de lancer de pièces, 2 marqueurs d'état, un marqueur Vestar et un coffret de collection. Et des codes pour le jeu de cartes à collectionner. Donc c'est parti, on va s'ouvrir ça tout de suite. Donc je l'attendais depuis un petit moment, je suis très content de pouvoir l'ouvrir. Ça, c'est de la pub pour Pokémon Go avec des codes, mais du coup, j'utilise les codes, donc je vais les garder. Ensuite, on a le livret avec les nouvelles cartes Pokémon Go. Donc, voilà, il y en a quelques-unes. On va pas trop se spoil. Je sais pas si vous voyez, mais l'intérieur de la boîte, c'est très joli. Ensuite, donc on a la carte de Mewtwo V, elle est magnifique. Très jolie en full art, elle est vraiment très belle. Ah, j'aime beaucoup toutes les couleurs et tout, c'est vraiment super joli. Ensuite, on a donc un marqueur de, je sais pas comment ils appellent ça, des marqueurs d'état spéciaux, ouais. Ensuite, les marqueurs de dégâts avec le dé pailleté en bleu. Comme ça, c'est très joli. Avec le logo de la série. Très sympa. Vraiment très beau le dé. Donc ça, c'est le jeton Vestar. On a les séparateurs de deck. Donc il y en a 4 avec une illustration de chaque côté. Très simple aussi. Le code de la boîte que je vous laisse. Voilà. Les protège-cartes, elles sont très belles avec Mewtwo. Bon après, j'ai plus trop d'espoir, mais on va vérifier si c'est pas mat. Si c'est mat, c'est encore mat. On va quand même mettre Mewtwo dedans pour le protéger. C'est un peu dommage que ça soit en mat parce que on voit moins l'effet un peu brillant. Et nous. Ah, il y a aussi les cartes. Le paquet de cartes énergie. Et nos 10 boosters. Donc on vérifie quand on est bien 10. 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Donc, je pense que je vais en ouvrir 5 aujourd'hui et 5 la prochaine fois. Parce que j'ai plus trop de Pokémon à ouvrir, donc. Puis ça fera une vidéo moins longue. 2, 3, 4, 5. Allez, on va ouvrir cela cette fois-ci et les autres la prochaine fois. Donc, c'est parti. On commence avec le premier booster. Alors, voici le code. Donc, je rappelle, dans cette extension, on a au minimum une carte holographique. 2, 3, 4. Alors, nous avons une énergie combat, le Vénard, capitaine d'équipe Spark, Migalos, Natu, Capidextre, Ramolos, Onyx, Salamèche, Tyranocif en Holo Reverse, et waouh, on a Dracolos V. Très joli. Un peu énervé là. Très sympa. J'ai vu qu'il y avait aussi une carte de Dracolos en full art. C'est vrai que j'aimerais bien l'avoir, elle est très. C'est bizarre, la carte elle est assez épaisse. On passe au deuxième booster. Code 1, 2, 3, 4. Donc on a la carte Vestar, Stylix, très sympa, Xatu, Super Bonbon, Meltan, Evoli, Pikachu, Carapuce, Mimigal, waouh, on a Florizarre radieux. Oh, il est trop beau. Hein. Je m'y attendais pas. Très joli. Hein. Je sais pas s'il y a Tortank radieux aussi. J'ai déjà eu Dracaufeu radieux dans une autre ouverture. Ouais, très sympa. Et Pikachu en holographique, très joli aussi. Le code 1, 2, 3, 4. Alors, nous avons une énergie feu, moduleur, reptincelle, infect, ratata d'Alola, chamallow, ratatac d'Alola, colombo, ambrilex, capitaine d'équipe Spark en reverse et Loclas en holographique. Très joli. Avant-dernier booster pour cette ouverture.
4. Nous avons une énergie psy, capitaine d'équipe Spark, Carabaf, très sympa, Pokéstop, Salamèche, Kenotor, Sauf-Kipou, Pois-Chichon, Magikarp, Magikarp de nouveau, mais en reverse. Et pour finir, on aura eu un autre Florizarre, mais cette fois-ci dans sa version normale, enfin en holographique. Très joli. Allez, dernier booster pour cette ouverture, et la prochaine fois, on s'ouvrira les 5 autres boosters. Voici le code. 1, 2, 3, 4. Nous avons une énergie acier, incubateur d'œuf, Carabaf, Solarock, Meltan, Evoli, Pikachu, Carapuce, Castorno avec Coloriole, Moduleur en reverse et un Tortank en holographique. Donc c'est plutôt une très bonne ouverture. Pour le moment, on aura eu une carte EV et une carte radieux. Donc Florizarre radieux et Dracolos V. Donc plus la carte promo de Mewtwo V qui est vraiment magnifique. On aura aussi eu Tyranocif en holographique. Et après donc Pikachu, Tortank, Florizarre et Loclass en holo. Donc on verra la prochaine fois si on arrive à faire mieux. Mais bon, avec une vine radieux, ça va être difficile quand même. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter et partager les vidéos. Sur ce, je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt.